6h30 ce matin à la plateforme de courrier de Saint-Alban. Un colis venant des États-Unis a inquiété des employés. Une matière suspecte s'échappait de ce paquet. L'alerte à l'anthrax est enclenchée. Les quatre personnes qui étaient présentes autour du colis donc, ont été prises en charge évidemment par les pompiers, très directement, puisque notre première préoccupation c'est la santé des agents, hein, avant tout. Les facteurs n'avaient pas pris leur service encore, donc lorsque les facteurs sont arrivés, on a pu les laisser en dehors du périmètre, évidemment, en attendant que les pompiers et les gendarmes fassent leur travail. Le contenu de ce colis, destiné à un praticien de médecine douce, s'est révélé inoffensif. Il faut dire que parmi les quatre agents, il y avait un membre de CHSCT, et donc il connaissait particulièrement bien la procédure, et ça nous a montré comme ça que nos procédures sécurité et santé au travail étaient bien au point, et j'en suis, ma foi, assez satisfait, même si, j'avoue, j'aurais préféré éviter cette situation ce matin. Depuis fin 2001, ce genre d'incident est rarissime. À 9h45, les employés ont pu reprendre leur travail.